Maintenant, tout autre sujet. Si vous avez un chien ou si vous voulez bientôt en adopter un, la prochaine entrevue risque de vous intéresser. C'est qu'il y a une étude au Royaume-Uni qui a été réalisée auprès d'un demi-million de chiens qui en vient à la conclusion que les plus petits chiens et les chiens qui ont un long museau vivent plus longtemps que les plus grands chiens ou les chiens qui ont un museau plus aplati. Avec nous pour essayer de comprendre tout ça, la docteure Caroline Kilsdonk, elle est médecin vétérinaire et éthicienne. Bonjour. Bonjour. Je vous entendais ce matin, bon, 98.5, dire que les chiens qui ont servi à l'étude sont suivis dans les cliniques, etc., donc qui ont les meilleurs soins. Ça doit être pris en considération. Remarquez que c'est souvent le cas quand on adopte un animal de compagnie, il y a un suivi chez le vétérinaire, etc. Quel est le facteur qui amène le plus de complications de santé, possiblement une mort plus hâtive? Est-ce que c'est vraiment la question des races au museau aplati, c'est davantage ça? C'est un facteur parmi d'autres. Il y a certains des grands facteurs qui sont identifiés. Comme vous l'avez dit, c'est une étude qui a été faite sur une grande population. C'est quand même très intéressant là, comme étude. Oui, il y a un biais de sélection parce qu'évidemment, on a des données sur les chiens qui faisaient partie de bases de données là, chez des vétérinaires, dans des refuges, des compagnies d'assurance, etc. Mais oui, c'est vraiment très intéressant. Et puis, les grandes conclusions sont des choses qu'on savait passablement déjà. Les femelles vivent un peu plus longtemps que les mâles. Pourquoi? Les chiens de grande race, ça, pour le sexe, là, on ne le sait pas, mais c'est quelque chose qui est très répandu dans le règne animal, incluant chez les humains. Ben oui. Hein? Alors, oui, quelle est à la base là, l'explication évolutionnaire très lointaine de ça? C'est pas facile à expliquer. L'autre facteur très important, la taille. Donc, ça, on le sait aussi depuis assez longtemps que généralement, les grandes races de chiens ont une espérance de vie moins longue que les plus petites races. C'est une règle générale. Hein? Puis, quelqu'un qui est intéressé peut aller voir les résultats de l'étude. C'est beaucoup plus détaillé là où ils font toute la liste des races qu'ils ont étudiées. Et puis l'autre facteur, oui, le nez aplati. Et ça, c'est pas vraiment une surprise. Tout vétérinaire qui travaille en clinique vous dira que ces chiens-là ont beaucoup plus de problèmes de santé. Et moi, quand les gens me demandent conseil pour un choix de chien, je dis toujours toutes les races qui ont une morphologie extrême, des caractéristiques physiques là, vraiment hors de l'ordinaire. Des pattes très, très courtes, très gros replis de peau, le nez aplati. Alors, toutes les variations extrêmes, ou les chiens qui sont très, très, très grands, ces variations-là viennent avec des problèmes de santé généralement. Puis là, l'étude nous parle de la longévité, mais je pense qu'il y a un enjeu éthique qui est peut-être encore plus important que la longévité. C'est si on avait toutes les données, vous savez, chez les humains, on mesure l'espérance de vie en santé. Comme on a parlé tantôt des femmes qui vivent plus longtemps que les hommes, mais les femmes ont beaucoup plus d'années d'incapacité aussi. Mais c'est ça. Alors, si on pouvait mesurer ça chez les chiens de ces races-là, c'est assez clair là, pour nous qu'on aurait aussi des années de maladies. Ouais, hein? De symptômes là, beaucoup plus longs. Vous les voyez davantage dans vos bureaux de vétérinaires. Je lisais, et c'est pas à peu près, là, l'espérance de vie médiane d'un chien, 12 ans et demi à peu près en moyenne pour l'ensemble, et ça chute à moins de 10 ans pour un bulldog français qui est très, très populaire en ce moment. On le sait, c'est une race là, qui est très, très prisée en ce moment. Comment on explique ça? C'est-à-dire que les races de chiens sans museau ont été davantage créées par l'humain, modifiées. Comment on explique ça? Bon, quand on veut créer des caractéristiques physiques extrêmes, on va prendre quelques individus qui présentent des traits très marqués. Comme dans une population de chiens, on va en choisir quelques-uns qui ont vraiment le nez le plus aplati. On va les faire reproduire, on va choisir ceux qui ont le nez le plus aplati, on va les faire reproduire ensemble et tout. Et dans ce processus-là, c'est certain qu'on se trouve à, en même temps, sélectionner pour d'autres caractéristiques génétiques
qui ne sont pas nécessairement souhaitables. Ça se peut aussi qu'on crée un assez haut degré de consanguinité en créant la race. Alors, c'est ça qui explique tout ça. Puis, d'un point de vue strictement anatomique, là, les museaux de chiens ne sont pas faits pour être si étroits. Les voies respiratoires s'adaptent mal. La taille du cœur en fonction des voies respiratoires, etc. Mais... la trachée peut s'affaisser plus facilement. Beaucoup de problèmes qui viennent avec simplement anatomiquement. Oui, mais s'ils ont ces problèmes de santé plus fréquents, pourquoi ils sont si prisés? Pourquoi les gens veulent avoir un chien qui n'a pas un long museau? C'est pour se rapprocher, je disais, de ce qui peut ressembler même à un bébé humain. Est-ce que ça se peut, ça? Ça se peut très bien. Et d'ailleurs, dans le processus de domestication, on voit que les espèces, quand elles deviennent domestiques, se rapprochent de plus en plus là, de ces traits-là un peu. C'est possible. Ceci étant dit, il y a une question d'éducation là-dedans. Alors, c'est pour ça que je réponds favorablement à une demande d'entrevue comme la vôtre. Plus les gens vont être conscients de ces enjeux-là et moins ils vont avoir tendance à choisir des races strictement pour des critères physiques comme ceux-là. Puis je peux peut-être ajouter un incitatif, là. Si on avait des études sur les frais de vétérinaire, c'est sûr qu'un animal qui a plus tendance à être malade va coûter beaucoup plus cher en frais de vétérinaire qu'un autre qui de base va avoir une meilleure santé. En même temps, il y a aussi des exceptions parce que je pensais au chien saucisse. Il est petit. Il a un long museau, mais on entend souvent qu'il a des problèmes, il peut avoir des problèmes de colonne. Donc, on réalise que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, là. Non, c'est sûr que ça, c'est des données générales et c'est simplement sur la longévité. Et puis, il y a d'autres, c'est pour ça aussi tantôt que j'ai tenu à mentionner toutes les caractéristiques physiques extrêmes, comme justement la longueur du corps, la colonne vertébrale, qui rend les teckels là, beaucoup plus sensibles aux hernies discales, entre autres. Et ça, c'est justement des conditions qui sont difficiles à traiter, où on voit parfois des chiens qui demeurent paralysés du train arrière, et puis les gens font parfois face à... il y a des chirurgies qui existent, qui ne sont pas toujours faites avec succès. Il y a des chiens qui restent paralysés. Il y a des gens qui leur installent des petites roulettes là, pour le train arrière qui font comme une petite chaise roulante. Oui, c'est vrai. On a vu ça fait partie des caractéristiques morphologiques extrêmes qui causent certains problèmes. C'est un pensez-y bien, tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne journée.